À tous et à toutes. Bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. Bienvenue dans ce 50e épisode de cette série vidéo Testez-vous. Le principe est simple, je vous montre une position, où vous devez trouver le bon coup, puis je montre la réponse et on termine par un que retenir. J'aurai donc posté 50 épisodes de cette série en 6 mois. Les testez-vous vont à présent marquer une pause estivale correspondant principalement à mes congés. Et on verra s'ils sont de retour à la rentrée. A vous de me dire si vous souhaitez le retour des testez-vous à la rentrée. Si ce format vous est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à soutenir la chaîne en rejoignant les tipeurs. Vous avez le lien dans la description. Et on y va pour ce 50e épisode. Voici une position que j'ai fabriquée. Elle ressemble beaucoup à une variante du gambie écossais. La différence c'est que dans le gambit écossais, le pion noir est en D4 et il y a un autre pion en C4. Et là j'ai juste enlevé un pion noir. Comme du coup il y a égalité de pions, non pas un pion de plus, et je l'ai reculé en d5 pour que ça soit plus pédagogique, voilà. Et donc la question est, qu'est-ce que vous préférez jouer avec les noirs Je vous invite à bien peser le pour et le contre et à prendre votre décision. Quel coup vous jouez avec les noirs Vous pouvez mettre la pause. Pas d'indice pour ce tester, vous. Ce serait un peu trop facile. Euh, en fait, euh, si vous voulez un indice, quand même, ce serait plutôt un choix entre le petit rock ou bien fou aussi. Et si ça vous aide, je vous invite à remettre la pause. Alors, on y va pour le débrief. Pourquoi je vous soumets cette position parce que j'ai discuté souvent avec des élèves de cette situation. Et en cas de petit rock, ils me disaient, Ouh là là, il n'y a pas de pion, j'ai 6, ça craint, je veux pas faire le petit rock, je trouve ça super dangereux, je vais plutôt essayer de faire le grand rock. Et donc, je vais euh, parler de ça euh, juste après. Tout d'abord, on va se poser la question. Ce qui se passe si on. Parce que faut qu'on choisisse un coup, c'est ça les échecs. Hein. Il, y a le... il y a le principe est-ce qu'on va faire le petit rock ou pas Mais il y a aussi la situation concrète ici. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors, juste une petite parenthèse pour commencer par le coup D4. A un coup intéressant sur le principe pour lutter contre la sortie du cavalier en c3 du coup s'il se met en D2 ça fait un emboutage avec le fou donc le fou doit d'abord sortir quelque part et après cavalier D2 ça gêne un peu l'adversaire c'est un pion plutôt intéressant sur le principe d'un autre côté il bloque aussi le fou donc c'est discutable euh, le fou a un peu de champ bon, peut-être l'adversaire va faire c3 peut-être ce jour là on pourra envisager des 4 bon pas mal de questions qui se posent. En tout cas, juste pour dire que D4, sur le principe, c'est un coup qui se regarde. Mais là, on a un roi en 8 et on va se prendre échec au roi. Alors, ce n'est pas clair la position. Hein. On joue fou aussi. Ça ressemble énormément à une variante théorique du gambier écossais pour ceux qui, qui le connaissent. D'habitude, c'est plutôt le fou en C5. Cavalier G5 qui menace de gagner un pion. Dame D5 pour protéger. Euh, imaginons cavalier C3, qui est aussi euh, le coup typique, euh, parce qu'on ne peut pas prendre sinon on perd notre dame, vu que notre fou est cloué par la tour, donc on vient de perdre une dame. Donc on bougerait la dame a priori sur F5. Il pourrait tenter un G4 pour attaquer notre dame, étant donné qu'on ne peut pas prendre, sinon là encore on subit le clouage de notre fou sur la colonne E et on ne peut pas reprendre la dame blanche et on a perdu une dame. Donc on devrait bouger la dame plutôt. Sur G6 a priori, et la situation est juste pas claire. Évidemment, on peut pas vraiment la comparer avec le gombi écossais, car encore une fois, le gombi il y a un pion C4, mais ça se ressemble quand même énormément. Alors, l'autre alternative, enfin, l'alternative plutôt, euh, l'autre option, c'est fou E6, bien sûr, pour bloquer la colonne. Et j'imagine que. Beaucoup d'entre vous ont voulu jouer comme ça avec l'idée de faire quelque chose comme Dan D7 Grand ROC. Ce n'est pas un mauvais plan, clairement. Euh, et puis si on veut faire un choix plus offensif avec les Noirs, on peut éventuellement se diriger vers ce, ce plan avec l'idée de dire bah, la colonne G, moi j'ai plutôt envie de l'utiliser pour une tour, pour attaquer l'adversaire et aller dans des rocs opposés, ça me convient sur le principe, pourquoi pas à noter une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à présent c'est que les noirs ont la paire de fous dans cette position c'est un léger avantage. Pas de pion isolé car il y a rien, pion de C qui pourrait le soutenir sur le principe. Juste pour montrer que après cavalier G5 justement il est en train de reprendre sa paire de fous, on va pas s'amuser à rejouer le fou même si sur le principe on est content de garder la paire de fous en plus elle fait forte impression sur les deux diagonales ici mais on va se prendre l'échec Devoir couvrir avec le cavalier ou se déroquer avec le roi, ce qui n'est pas terrible. Et là, il aurait le coup astucieux dame E2 qu'on a déjà vu dans certains testez-vous. Hein. Je, je vous mettrai la liste complète des testez-vous en lien en haut de, de l'écran à la fin de la vidéo. Si vous voulez vous tester justement et vous entraîner. Euh, donc là, il nous empêche de roquer parce que la dame prend E7, donc c'est agaçant. On pourrait peut-être faire fou F6. Il peut nous faire des coups comme dame F3. Là encore, il appuie sur le clouage, ce qui menace. De prendre le fou. Il y a l'autre fou qui, en transparence derrière, c'est pas évident. Il faudrait faire un coup comme Dame D7. Il pourrait faire cavalier C3 et menace de prendre là. Parce qu'encore une fois, ce cavalier est cloué. Il faudrait qu'on grand rock à ce moment-là. Malheureusement! On se prendrait qu'avec prend F7 fourchette. Donc, on peut pas faire exactement ce qu'on veut. On doit faire C6 d'abord. Du coup, si on voulait faire grand rock, bon bah il y a un pion C6, c'est beaucoup moins bien. Il peut faire du fou F4. Il vise la diagonale E3, n'a plus de cases. et puis il peut essayer de préparer un B4, B5 avec tour B1 en particulier. Et c'est pas aussi. J'imagine que c'est pas aussi euh, sympa que vous l'espériez quand vous avez joué fou aussi 6 c'est que vous vous êtes dit ah oh ouais je vais faire Dame D7 grand rock. Ok, euh, sur KVG5, vous avez dame D7 qui est quand même plus sérieux, mais il prend le fou, donc il casse notre paire de fous. Évidemment, ici, on ne va pas s'amuser à prendre avec la dame pour s'exposer sur la colonne, se prendre tour E1, être obligé de mettre une pièce devant, se prendre F4, perdre la pièce par clouage et perdre une pièce. Donc, on va devoir prendre du pion F, ce qui n'était pas forcément notre rêve à la base. Déjà, il y a l'échec. Ça Peut-être aboutir à un échange de dames. Les noirs sont un peu mieux parce qu'il y a deux pions qui peuvent avancer au centre. Le fou en G c'était pas mal, mais voilà. Si votre but c'était faire grand rock et faire une attaque, ben c'est raté. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons concrètes. Donc l'idée était bonne, mais on se fait un peu prendre de vitesse par ce cavalier G5, tour 1, voilà. Il arrive un peu sur nous quand même, malgré le fait d'ailleurs qu'il soit mal développé à l'aile d'âme. Maintenant le cœur de notre vidéo. Je veux vous montrer qu'il n'y a aucun souci à jouer petit rock dans cette position et je vais même forcer le trait avec une position bonus juste après. Donc en fait c'est très simple. Tous ceux qui me disent oh là là il n'y a pas de plongée, c'est dangereux, il y a la colonne et tout, ils me parlent de quelque chose d'abstrait. Ils me parlent d'une peur abstraite, irrationnelle. Ils se basent sur la simple disparition, la simple absence d'un pion dans leur rock et, et ça leur fait, ça leur crée tout de suite une peur, mais ils n'ont pas du tout essayé de se poser la question, est-ce que l'adversaire peut vraiment venir attaquer Et c'est cette question que je vous invite à vous poser pour prendre vos décisions aux échecs et non pas vous baser sur des choses abstraites qui n'ont parfois aucun rapport avec la position. Malgré le fait que ça vous, ça vous vienne tout de suite en tête. Il voilà. faut vous méfier de ce genre de réaction. Donc on y va. Euh, deux conseils pour savoir si c'est grave ou pas pour vos trois. Parce que parfois, oui, c'est embêtant qu'il n'y ait pas de pion G, hein. On va pas prétendre le contraire. Beau, euh, beaucoup mieux d'avoir un pion G6 avec le fiancéto, normal. Voilà, Le fou s'occupe des cases noires les pions s'occupent des cases blanches. Ok, mais comment on fait pour savoir si c'est grave ou pas Deux techniques que je vais vous donner pour ça. A priori, si vous les utilisez bien, ça vous permette de savoir si ça va être dangereux ou pas pour votre roi. Première technique, vous comptez le nombre de pièces que votre adversaire peut envoyer en attaque. Il faut vraiment qu'elles puissent venir. Ça, c'est fondamental. Si elles ne peuvent pas venir, vous ne pouvez pas les compter comme des pièces d'attaque. Et vous comptez combien vous avez de pièces potentiellement qui peuvent venir en défense. Vous comparez le nombre de pièces de votre adversaire en attaque et votre nombre de pièces en défense et vous estimez si ça peut être grave ou pas. Si le nombre de pièces est à peu près identique, ou évidemment si vous êtes en supériorité en défense, il n'y aura normalement pas de souci. Si vous commencez à avoir, votre adversaire va avoir un surnombre. Alors si c'est un surnombre de une pièce, ce n'est pas dingue, mais c'est quand même un surnombre. Mais s'il commence à avoir deux, trois pièces, de plus en attaque que vos pièces en défense, alors là, ça deviendra en général dangereux. Voilà. Donc là, euh, c'est la première technique. La deuxième, ça va être, vous pouvez imaginer que votre adversaire joue deux fois de suite, ou même trois fois de suite, ou même carrément quatre fois de suite. Vous jouez à sa place, vous jouez deux, trois, quatre fois à la suite, en essayant évidemment d'amener des pièces près du roi et créer des menaces. Si, en faisant ça, vous voyez que ce n'est pas trop dur pour vous de vous défendre, franchement, c'est qu'il n'y a aucun danger. Si vous lui filez deux, trois coups gratos, si vous passez votre tour deux, trois coups de suite et qu'il se passe pas grand-chose, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Voilà. Donc ici, on va imaginer un cavalier G5, par exemple, et on va se dire « Ok, s'il fait deux coups de suite, peut-être il fait ça. » Allez, on va passer le tour des noirs, juste pour l'exemple, et on va faire d'un 5 parce qu'on va dire c'est le truc le plus effrayant qu'on peut fabriquer. Déjà, on va compter les pièces à l'attaque. 1, 2. Si on veut compter un peu le fou C1 à l'attaque, parce qu'il est pas loin de rejoindre l'attaque, vous pouvez compter la moitié d'une pièce, une demi-pièce. Si vous voulez compter la tour, bon là je trouve un peu optimiste parce que ça lui prend quand même trois coups pour vraiment venir à l'attaque. Voilà, c'est pas encore. Si elle était là, vous peut-être la compter comme une demi-pièce, effectivement dans un coup elle sera à un coup d'attaquer vraiment. Mais ça lui prend quand même du temps. Bon là il menace mal, ok, soit. Est-ce que c'est dur pour vous de dé vous défendre Pas du tout. Vous pouvez déjà faire H6. Alors. Vous allez me dire, oui, mais quand le cavalier s'enlève, ça menace, fou prend, c'est dangereux. Non, dame F6. D'ailleurs, on n'a pas compté le nombre de pièces en défense, mais on voit tout de suite qu'on en a. On va compter la tour pour un demi si on veut, parce qu'on estime qu'elle défend F7, mais pas euh, les cases H7 et G7 pour l'instant. Après, vous voyez, si on fait ça, elle arrive en défense quand même, mais ça prend un peu de temps, je suis d'accord. Vous devez compter deux. Alors, même quand votre dame elle est en D8, hein, vous devez compter ça comme une pièce défensive, car elle arrive en un seul coup en défense. Donc, faut la compter. Fou, dame, et ce fou, vous êtes obligé de le compter parce qu'il est aussi à un coup de pouvoir venir. Alors, par contre, la question c'est est-ce qu'il va pouvoir venir sans se par la dame Ok. Mais là, juste vous faites dame f6, pour vous protéger et vous êtes en mesure de faire des coups comme dame g6, propose échange de dame pour repousser la pièce de l'adversaire. Dame f5, même chose. Fou f5 pour venir défendre, après du fou g6. Et vous savez qu'on peut compter encore une pièce comme demi-pièce de défense, c'est le cavalier, parce qu'il est pas loin de venir lui aussi en défense ou s'échanger contre une pièce d'attaque. Voilà. Donc vous voyez qu'en nombre d'attaquants et défenseurs, les blancs ne sont pas en supériorité. Et même s'ils jouent plusieurs, là on a passé un tour hein. Je rappelle qu'on a passé un tour pour les morts, on a laissé d'amage 5 gratuit et vous avez h6 et vous avez fou f5. Pas de problème avec f5, c'est encore plus solide. Il n'a pas de découverte parce que s'il fait ça, on fait fou prend, s'il fait ça, on fait tour prend et on menace ça. Et franchement, il va avoir zéro attaque ici, zéro et il a ses pièces loin, etc. Euh, et quand on a deux fous là, même s'il amène ses pièces, franchement, il va avoir beaucoup de mal à nous faire quoi que ce soit. Voilà, et je rappelle qu'on a passé notre tour, ce qui fait qu'après, petit Rock, s'il si joue cavalier G5, qui est effectivement le coup le plus agressif, on peut dire, euh, on peut jouer fou F5 avant même que sa dame soit là, ce qui fait que si elle vient, non seulement on menace pas mat, parce que le fou défend déjà, mais en plus, on peut faire fou G6 pour l'attaquer, et donc on est déjà avec notre dispositif défensif tranquille. Juste pour dire que si on passe notre tour, il a un coup beaucoup plus intéressant. Si vous nous attaquez, c'est Dame d3, parce que là il menace mat et il profite de l'absence de notre pion. On n'a pas Fou f5, c'est un peu chaud là parce qu'on va faire f5 et là notre 3, il devient beaucoup plus découvert. Même là c'est pas clair parce qu'on peut essayer de repousser sa pièce. Il revient. Ok, juste notre roi est vraiment fragilisé, mais il n'arrive pas si facilement avec ses pièces non plus. La position est incertaine. Mais même là c'est pour vous montrer que c'est pas gravissime. C'est pas très agréable. On a lâché les deux cases là en jouant F5. On a fait des trous. On a lâché cette case aussi. Bon, c'est pas agréable. Voilà. Mais c'est pas la fin du monde pour le roi non plus. Quoi. Il se met ici. Il dit OK, c'est pas le problème. Euh, bah voilà ce que je voulais vous montrer. Juste pour dire qu'il y a Fou G5 qui a un coup. Il cherche à provoquer F6 qui serait un coup désagréable à la fois pour le roi et pour le fou. Donc on va juste faire un coup comme dame D6. Voilà, on a du Fou F5. On a du Fou G4. On a du dame G6, on a pas mal de coups ici, assez sympa pour les noirs. Euh, oui, si il fait g 5 on peut faire juste H6, il rentre chez lui, fou G4, on le cloue, on a des idées comme ça, il n'est pas très bien, on est bien développé. Voilà. Position bonus, j'espère que c'était assez clair pour vous, tu aura le à retenir. Mais position bonus simplement pour, pour conclure. Euh, j'ai changé la position. J'ai enlevé le cavalier. Je l'ai remplacé par un fou de case blanche. Et je voulais. Voilà, j'ai fait exprès d'abuser le truc. Pour vous dire, regardez, là, vous pouvez, si vous avez envie, faire le petit rock. C'est pas la fin du monde. Malgré le fou en D3, ça vient du nombre d'attaquants, nombre de défenseurs. Il y a assez de pièces en défense. Et euh, ici, les blancs, euh, ils peuvent jouer le coup cavalier G5 toujours menace sur H7, H6, ce qui est pas mal pour lui c'est de lancer d'un H5, car on peut effectivement pas prendre sinon il y a mat. Donc là il arrive avec 3 pièces à l'attaque en gros, il espère que le fou puisse servir aussi un moment, mais comme on a vu tout à l'heure on a nous 2-3 pièces en défense aussi sans trop de problème. Donc on peut se défendre, euh, ici il faut juste pas prendre sinon effectivement on est mat, on va faire un coup comme Cavalier 5, on va essayer de s'emparer du fou. Il est un peu embêté. Il faut qu'il fasse échec. Roi là, ça part en vrille, en fait. Il est obligé. Voilà, là c'est très dangereux pour lui. Ça peut se retourner contre lui. Il a des pièces qui peuvent se faire capturer. Il se trouve que, euh, selon l'analyse, il peut faire F4 et il s'en prend notre cavalier. Si le cavalier bouge, il peut essayer de faire ça. Bien que même là, ce soit pas clair parce qu'on peut essayer de prendre et prendre le fou. Euh, ce qui est intéressant, c'est de faire fou G4 pour repousser un peu sa dame, faire F6. Il prend là, on prend là. Euh, il échange, ok, il prend le fou, on prend le fou. C'est égalité. Le matériel, ça se tient. Notre roi n'a plus de problème. Hein, il n'y a, a plus de pièces à l'attaque en face. Voilà. Euh, je voulais vous montrer qu'il ne fallait pas qu'il se lance dans un truc comme fou échec. Ça prend le roi H8. Il peut certes revenir. Il nous tend un piège grossier. C'est-à-dire qu'il croit qu'on va prendre et il va nous mater comme ça. Donc là, vous avez vu qu'on s'est fait mater parce qu'on a ouvert tout seul en prenant notre propre roi, mais encore une fois, on a des coups comme Cavalier 5 qui peuvent à la fois prendre le fou ou des fois revenir en défense. défend F7 aussi, donc cette pièce, vous voyez qu'il fallait bien la compter comme une pièce défensive, elle était là, mais en un coup elle arrive et elle tient plein de choses. Et si elle se débarrasse de cette pièce, c'est très intéressant. Euh, juste pour montrer qu'il ne faut pas qu'il se jette dans la gueule du loup avec le cavalier, sinon, évidemment, qu'elle va avoir du mal à sortir. Voilà, c'était la petite position bonus. J'espère que ça vous a éclairé et vous vous êtes rendu compte que même avec un fond de ce qui est quand même le pire truc qu'on peut fabriquer pour profiter de l'absence d'un pion en G6, hein, puisque ça le fout à Jean libre, euh, c'est pas encore une attaque foudroyante pour les blancs, c'est à peu près égalité. Un peu mieux pour les blancs dans certaines variantes vite fait. On est à peu près équilibré. Euh, allez, on passe au retenir. Je vois que je me suis laissé emporter par euh, tout ce que j'avais à vous dire pour ce testez-vous numéro 50. Bah, J'espère que vous aurez apprécié. Quatre points qui reprennent ce qu'on a dit dans cette vidéo. Donc, un roi aux échecs n'est faible que, j'ai mis en gras, que si l'adversaire a les capacités concrètes et non pas imaginaires de l'attaquer. C'est très concret comme jeu. Donc, votre roi, il n'a pas toujours besoin d'avoir ses trois pions collés devant lui, devant comme dans un petit rock parfait. Hein. Euh, il peut y avoir des libertés. Heureusement, sinon ce serait un peu triste. On peut avoir un pion qui n'est pas là avoir un ou deux pions qui sont avancés ça va surtout dépendre enfin ça va uniquement dépendre des, de la capacité à l'adversaire à amener des pièces et un sur nombre de pièces donc pour savoir si c'est grave ou pas basez vous sur des éléments concrets et je vous ai conseillé donc les deux techniques qui apparaissent en point 3 et 4 c'est compter le nombre de pièces à attaque et le nombre de pièces en défense et imaginez deux trois coups ou quatre à la suite pour votre adversaire et vous voyez si vous arrivez à défendre parce que s'il fait trois coups à la suite, et que vous, en un seul coup, vous défendez ce qui l'a menacé, franchement, vous êtes large, parce que vous avez encore deux coups de plus pour vous organiser, et un seul vous suffit. Voilà. Vous avez trois coups pour, pour vous défendre, et, et en un seul, si vous y arrivez, vous êtes large. Voilà pour ce Testez-vous numéro 50. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à me laisser un commentaire. C'est très rapide ça et la chaîne. Je vous rappelle que les testez-vous marquent à présent une pause estivale en juillet-août. Si vous n'avez pas encore fait les 50 testez-vous. Je sais pas ce que vous faites déjà. Euh, je plaisante. Je vous mets la playlist là-haut des 50 pour vous entraîner pendant l'été. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez la soutenir. Plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. D'ailleurs, vous avez plein de liens dans la description. N'hésitez pas à la déplier pendant l'été si vous voulez aller explorer. Vous avez bien sûr plein de vidéos, y compris des anciennes, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller aussi remonter dans les anciennes vidéos. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous un bon été. Portez-vous bien. A bientôt.